Salut à tous, bon bah allez une petite vidéo là pendant le rush, parce que là on est en plein déménagement. Surtout là un truc un peu foufou, c'est que le vélo sur lequel je suis là, c'est un nouveau modèle de chez Stage Vélo. Il y en a que 3. Et du coup je suis dessus, franchement un bon petit vélo de ville là. J'ai pas les specs, j'ai pas la puissance du moteur, tout ça, mais en tout cas bon, franchement c'est un super petit vélo, vraiment maniable. Du coup j'ai eu l'occasion de le tester, je suis allé direct. Je vais m'arrêter pour vous le montrer un petit peu. Franchement il est trop beau, j'adore les couleurs. Et en fait le moteur sur celui-là il est à l'arrière. Il n'est pas ici sur les autres vélos, c'est un gros moteur de VTT. Là il est là et il est quand même assez petit. Alors j'ai pas les specs encore une fois du vélo. Il est franchement marrant, il a vraiment une gueule racée. Ça, franchement c'est un bon vélo pour la ville. Rien à voir avec les autres en fait, hein, qui sont plus lourds. Et c'est pas pour la même utilisation. Il y a 3 types de vitesse et on contrôle tout avec un seul bouton. Alors d'après ce que j'ai compris, donc tu l'allumes ici. Et en fait après tu contrôles les modes en appuyant sur le bouton. Tu vois, tu as les modes normalement qui changent là. Là je suis sur mode 0, mode 1, mode 2, mode 3. Et donc du coup c'est le type d'assistance que tu as. Non franchement c'est vachement plus compact. Non et puis il a une bonne gueule hein. Moi j'adore. J'adore. Et puis en plus il est bien équipé. Hein. Ultegra et tout, franchement c'est pas de la gnognotte. Et j'aime bien le piloter, il est marrant. Franchement marrant quoi. Bon je vais aller leur rendre le vélo quand même. Ça fait une petite demi-heure que je suis parti avec là. Je me régale, t'as trop bien. Du coup. Oh yeah! Donc les prochaines étapes en fait, là en gros, la semaine prochaine, donc dans 7 jours on part d'ici et on va à Saint-Malo. Alors la petite anecdote en gros c'est que là on a loué le camion pour la semaine prochaine, mais on n'a toujours pas d'appart à Saint-Malo. Donc ça va être chaud. On a fait des demandes mais c'est super dur à trouver un appart sur Saint-Malo en fait, parce que par rapport à notre situation d'indépendant avec ma chérie, ils veulent pas entendre parler de nous, les agences, et c'est un peu chaud avec les particuliers. Même si ma copine elle a trouvé un contrat à Decathlon, à bosser là-bas, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, bon, c'est un peu la galère, on va s'avouer. Mais bon, de toute façon, faut qu'on parte, elle commence le 14, donc on n'a pas le choix. Oh yeah! When you drive, never drink. Je m'en fous, j'ai pas le permis. Et alors, pour la petite. Alors, je vais en parler après, parce que là, à mon avis, dans le tunnel, ça va être mort. Ah bah je l'avais pas éteint. Bon j'ai repris mon petit gravel là, mon petit montagel. Donc du coup alors je suis vachement content parce que on a discuté avec Stage Vélo. Et du coup on continue la collab. Donc ça déjà c'est un point super positif malgré le fait que je parte à Saint-Malo. En gros je deviens le premier vrai ambassadeur de Stage Vélo. Donc je suis hyper content pour ça. Parce que voilà, tout se passe bien avec eux, on discute bien et voilà quoi. Donc c'est plutôt carrément cool. Et en plus de ça, en gros, on a discuté d'une forme de collection capsule en fait pour que je fasse des pochettes pour eux, directement pour les vélos en fait. En parlant des pochettes, ça avance grave bien, j'ai quelques précommandes. Va falloir que je crée un statut. J'ai déjà un statut de photographe mais j'ai pas un statut de créateur textile ou autre. Du coup, va falloir que je fasse ça. Alors, oui en fait je m'arrête parce que j'ai le modèle définitif des petites sacoches de guidon, les stem bags, feed bags. Donc du coup je pars sur un modèle carré parce que je trouve que ça s'intègre vachement bien entre le guidon et la potence. Du coup j'ai quelque chose de vachement rigide.
Donc ça, je suis vraiment content. La couleur, elle est pas définitive. J'en ai une noire, elle est chez Stage Vélo. Je sais pas où ils me l'ont mise. Je crois qu'elle a fini sur un vélo direct. Donc j'essaierai de vous la montrer après. Donc du coup, petite sacoche de guidon. Donc elle fait 9 cm par côté. Il y a de quoi mettre une gourde à l'intérieur et d'autres choses en fait. Donc du coup, ça c'est un bon petit gain de place. Elle fait 14 cm de haut. Et en gros, je pense que celle-là, je vais les vendre entre 40 et 45 euros. Parce que ça représente quand même pas mal de travail par sacoche. Et tous les matériaux sont choisis. C'est du Cordura 1000D en fait. Donc c'est très rigide et vraiment imperméable en plus. Et ça résiste bien au frottement. Elle, bon, ça c'est la celle d'origine. Il faut que je change le matériau, là, le tissu, c'est pas celui qui sera final. Et donc voilà, donc du coup je suis vraiment très très content de continuer la collab avec Stage Vélo. En fait il y a plein de trucs, comme je vous ai dit, on doit déménager la semaine prochaine. Là je suis un peu plein de trucs dans la tête, donc du coup je sais pas par quoi commencer. J'ai le lancement de la marque, je dois faire plusieurs sacoches, je dois même en faire une alors pour Charles Leclerc. Donc ça je suis plutôt carrément content pour le Stage Vélo de Charles Leclerc. Donc du coup j'aimerais bien la faire avant de partir, mais ça va être chaud quand même vu qu'on part la semaine prochaine. Donc voilà, ça fait pas mal de choses, mais voilà, des choses positives, faut y croire et ça va marcher. Et bon, ouais, en plus j'ai pas le temps de faire du vélo là en ce moment, malheureusement. Je pense que j'en ferai une fois que je serai en Bretagne. D'ailleurs en Bretagne, là pour le gravel, ça c'est carrément cool. Ça va être vraiment sympa là-bas. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous tenir au courant un petit peu de ce qui se passe et montrer que je suis toujours là et que voilà, qu'en fait les vidéos, je pense que j'en ferai plus une fois que je serai que ça se sera calmé, qu'on sera posé en Bretagne. Voilà. Bon allez, on va faire un petit tour et puis je vais manger aussi. Ah. Hop, petit coin à l'ombre. Ouais, il commence à faire carrément chaud là ici. En gros, dès que tu sors, ça devient horrible, quoi. Bon, allez, bon app, hein. Petit witch. Donc, grand noir aussi. Avec la place dedans, les petits scratchs en plus. Et celle-là, elle est doublée, pareil, avec du Cordura. Pif. Noir et rose, ça marche bien. Comme le logo Stage Vélo. Oh, il est magnifique ce vélo. Bon, bah voilà, c'est juste pour vous montrer le sac en noir, en fait, le petit feedback en noir. Du coup, je rentre à la maison parce que faut que j'en fasse plusieurs. Golden Cycle m'a proposé d'en mettre quelques-uns dans leur rayon, donc ça, c'est carrément cool. Du coup, j'entre à la maison, je vais en faire. Le camion, apparemment, on l'a à partir de jeudi. Donc, c'est parfait, jeudi prochain. Du coup, ça recule un petit peu le départ. Donc, c'est quand même pas mal. Ça me laisse le temps de finaliser quelques petites choses avec Stage Vélo. Donc, ça, c'est cool. Ça me laisse le temps de faire quelques feedbacks aussi avant de partir et de leur laisser. Alors bon, par contre, toujours pas d'appartement hein, pour Saint-Malo. Donc si jamais là dans les contacts vous avez un appartement ou vous connaissez quelqu'un qui louerait un appartement aux alentours de Saint-Malo dans les 450 à 500 euros, n'hésitez pas à nous le faire savoir parce que voilà, c'est là c'est chaud, là c'est vraiment chaud quoi. Donc voilà, mais bon, on y croit. Et puis voilà quoi. Bon, je pense pas que je pourrais faire une sortie avant de partir, mais bon voilà. Donc la petite vidéo là que j'ai fait aujourd'hui, c'était vraiment pour vous tenir au courant de ce qui se passait par rapport au sac, par rapport à ce déménagement en fait, et vous dire aussi pourquoi là j'ai pas posté ces derniers temps. Il y aura plus de vidéos qui seront faites du coup sur Saint-Malo et alentour. J'ai hâte, franchement j'ai hâte, parce que là-bas les pistes en gravel, elles sont carrément cool. Donc voilà, bon allez, je vous fais les gros smacks et puis je vous dis à très bientôt. En espérant qu'on arrive à aller à Saint-Malo comme on veut et rapidement. Oh, s'il vous plaît. Ciao.